Messieurs, dames, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission du soir. Entre les lignes, nous parlons d'un sujet délicat, un sujet qui tient à cœur beaucoup de Congolais qui se posent des questions. Qu'en est-il réellement? La question de Jean-Marc Kabunda. Kabunda, qu'en est-il? Nous allons en parler avec un juriste, une personne qui est connaisseur des lois. Il est aussi membre du parti politique de Jean-Marc Kabunda. Maître Ghislain Moigy, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dan, c'est un plaisir de retrouver votre plateau. Après tant de mois. Mais évidemment, on est habitué à échanger avec vous et nous pensons que le cadre aujourd'hui nous offrira encore l'opportunité de dire des vérités, informer et former suffisamment ceux qui auront la chance de suivre ces numéros. Affaire Kabunda, où est-ce que la loi a été violée? Quelles sont les lois qui ont été violées? Parce que Jean-Marc Kabunda et son parti et tous les membres d'Alliance pour le changement parlent des violations de la loi dans cette affaire. Où est-ce, quelles sont les lois qui ont été violées et comment elles ont été violées? Maître Ghislain Moigy, vous êtes juriste, vous êtes aussi porte-parole du parti. On va commencer par le commencement. Le président de votre parti, Jean-Marc Kabunda, tient un point de presse le 18 juillet dans lequel il fait des révélations énormes qui l'ont conduit jusqu'au jour d'aujourd'hui en prison. De sa déclaration le 18 juillet jusqu'aujourd'hui, il est détenu à Makala. Commençons donc par le commencement, comme je l'ai dit. Quelles sont les dispositions qui ont été violées dans cette affaire, dans son interpellation, commençant par l'Assemblée nationale et jusque devant la Cour de cassation? Bien, merci. Nous débutons par le commencement. Et cela va nous permettre ici d'étaler aux yeux donc, de tout le monde, de faire comprendre à l'opinion qui va nous suivre que nous sommes dans un état de droit, premièrement. Quand nous le chantons tous les jours, quand nous l'entendons être scandé tous les jours, de ceux surtout qui tiennent les rênes aujourd'hui en RDC, par l'été d'un état de droit dans notre pays, on ne peut pas se limiter qu'à des simples slogans. On ne peut pas se limiter qu'à des simples affichages. On doit les vivre réellement. Et je pense que dans des entretiens précédents avec vous, nous avons évoqué de manière substantielle et normative ce que voudrait dire un état de droit, ce que voudrait être un état de droit. Et pour ne pas y revenir, nous sommes dans un état de droit parce que notre pays a donc fait ce choix-là. Et c'est un engagement de plus haut niveau que nous avons pris parce que nous avons matérialisé au terme de notre constitution et nous avons consacré les lois qui répondent aux normes universelles de droits de l'homme, aux normes universelles de droits de personnes, aux normes universelles de droits des institutions en ce qui concerne la gestion de la République. Et je pense que tout cela étant organisé au sein de notre constitution, vous allez voir que lorsque vous regardez la constitution de la RDC, elle, elle comporte des titres. Vous partirez du premier titre qui évoque les dispositions générales de droit. Et ensuite, vous allez arriver au niveau de droits fondamentaux et liberté des personnes. Et puis, vous arriverez au titre 3 où la Constitution organise de l'organisation du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Vous allez comprendre qu'à chaque titre de la Constitution, avant qu'on arrive même au niveau des institutions d'appui à la démocratie, avant qu'on arrive même aux dispositions transitoires, notre constituant a vraiment matérialisé l'engagement pris par le citoyen congolais qui s'était retrouvé à Sun City, qui ont décidé de placer la RDC sur une nouvelle voie qui est la voie de tous les États du monde qui se veulent être appelés les États de droit, qui dit en anglais Bill of Rights. Alors, dans notre pays, nous sommes quand même aujourd'hui dans une situation qui nous renvoie encore, nous remettre en question par rapport à ces engagements-là pris par le citoyen congolais qui l'ont matérialisé au travers d'une transition. Lors de cette transition, je vais résumer un peu, il y a eu par voie référendaire, une constitution votée dans notre pays. Cette constitution consacre notre pays comme étant un état de droit, comme une république démocratique, et organise le droit, organise les prérogatives, en même temps aussi les devoirs des citoyens congolais, tout comme de tous les sujets de droit
Ça veut dire le citoyen et même les institutions de la République qui sont bien évidemment des sujets de droit pour ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre lorsque nous avons défini donc l'état de droit. Alors, en ce qui concerne le droit politique, parce que là nous sommes maintenant au niveau du titre D de notre Constitution, là où sont consacrés les droits politiques. Vous partirez par exemple de l'article 23 qui garantit pour le commun des mortels le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Vous comprendrez que si nous allons nous lancer à une lecture donc bien appropriée de notre Constitution, nous allons voir qu'à un certain niveau, le Constitution a fait un effort, donc permettez, on va trouver une lecture, a fait un effort au travers les dispositions de la Constitution, je disais donc à l'article 23, permettez qu'on lise, on dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs. » Là, vous êtes au point, au niveau du point de presse. Nous sommes d'abord au niveau du point de presse. Parce que vous demandez, à partir du point de presse, partons de là, voilà. Où est-ce qu'on a énervé les lois? Voilà. Ou est-ce qu'il y a eu violation de loi? Et là, je vous ai évoqué d'abord au premier titre, au deuxième titre de notre Constitution, qui parle donc de liberté fondamentale et des droits donc reconnus aux citoyens. C'est l'article 23 qui donne à tout citoyen les droits de s'exprimer. Vous comprendrez que nous sommes ici au niveau des droits des droits qui se rapportent à des personnes, à des citoyens, à tout citoyen. Mais il y a ce qu'on appelle, dans l'engagement pris par notre pays pour que nous soyons un état des droits, il y a ce qu'on appelle le droit des institutions. Ces droits-là aussi est garanti par notre Constitution. Là, c'est à partir du livre 3 qui nous évoque clairement le droit. Le livre 3 évoque le droit, donc l'organisation et l'exercice du pouvoir. Et là, vous partirez des dispositions, par exemple 68, qui vous parlent des différents pouvoirs. Du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, ainsi que du pouvoir judiciaire. Qui, ici, caractérise les trois pouvoirs dans un État. Et au terme des dispositions de notre Constitution, on a établi comment devrait fonctionner et comment devrait s'animer l'État au travers le différents pouvoirs et quels sont les droits reconnus à ces différents pouvoirs. Il y a maintenant là l'avantage encore. Partons du point de presse tenu par l'honorable Jamal Kabunda Kabound le 18 juillet. Donc, il juge premièrement d'abord du droit reconnu à tous les citoyens, qui sont les droits fondamentaux. Donc le droit à l'expression, les droits à l'opinion, comme nous venons de le lire à l'article 23. Vous avez dit sous le respect des droits des autres. Oui, des droits des autres. Là maintenant, c'est par rapport aux droits communs. Au droit commun. Maintenant, nous avons quitté les stades de droit commun. Nous arrivons au stade de droit des institutions. C'est pourquoi je vous ai évoqué le titre 3 qui parle de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Et c'est là où vous allez arriver au niveau de l'article 107 de notre Constitution qui, là maintenant, établit ou carrément décline de manière plus explicite ce qui caractérise le droit d'expression ou le droit d'opinion, le droit de vote dans l'exercice du pouvoir législatif. Ça veut dire que lorsque on n'est plus un commun de mortels, lorsqu'on n'est plus un congolais comme Dan Zeng ou comme M. Mwangi, que je suis, lorsqu'on n'est plus comme tous les téléspectateurs qui nous suivent, mais on est investi du pouvoir législatif, on a certaines prérogatives, certains droits qui nous sont reconnus par le constituant. C'est là où j'évoque maintenant pour le cas du pouvoir législatif, donc pour le cas d'un parlementaire, député ou sénateur, il y a la disposition 107 qui vient ici cristalliser ou carrément qui vient ici consacrer leurs droits d'expression et leurs droits de vote. Là, nous lisons l'article 107 donc, de la Constitution. L'article, permettez, nous allons lire l'article 107. L'article 107 est clair, il dit « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Là, c'est le premier alinéa. Aucun parlementaire ne peut être arrêté, jugé, détenu, poursuivi en raison d'opinions
Dans l'exercice de ses fonctions. Les débats. À ce niveau-là, il était, ça n'était pas. Voilà. Dans l'exercice de ses fonctions. C'est ces débats-là. Mmh. C'est ces débats-là maintenant ici qui posent problème parce que je me suis retrouvé avec un parlementaire sur un plateau la semaine dernière et j'étais étonné de découvrir que même lui qui a été dans des fonctions parlementaires n'était pas capable de nous dire. Qu'est-ce qu'on peut définir comme étant l'exercice des fonctions parlementaires? Ou quand est-ce qu'un parlementaire entre en fonction? C'est ça l'occasion, on va le dire pour ceux qui vont nous suivre. De par notre constitution, on devient parlementaire par la voie des urnes. Tout comme on devient président de la République par la voie des urnes. Il faut qu'il y ait des électeurs qui vous donnent leur suffrage direct pour les députés nationaux, provinciaux, et pour le président de la République, indirect pour les sénateurs. Ce sont deux suffrages. On est investi du pouvoir législatif. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ceux qui sont investis de leur pouvoir législatif? C'est qu'ils entrent en fonction. Mais avant leur entrée en fonction, il y a une procédure. La publication des résultats provisoires par la CENI et ensuite la validation des résultats par l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour les députés nationaux, Cour d'appel pour le cas des députés provinciaux. Et vous allez comprendre que pour les cas de députés nationaux, quand est-ce qu'ils entrent en fonction? Les députés nationaux entrent en fonction lors de la validation de leur mandat par la plénière. Ça veut dire à l'entame d'une législature, tous les élus validés au niveau, confirmés au niveau de la justice, viennent dans une plénière et lors de cette plénière, on valide son mandat. Et dès la validation de leur mandat par la plénière, ils entrent en fonction. Donc, ils sont députés nationaux en fonction. Pendant le plénière, pendant les travaux en commission, pendant les missions parlementaires, pendant les commissions mixtes. Même pendant les vacances parlementaires. Donc, gouvernement. Même pendant les vacances parlementaires. Voilà même pourquoi, lorsque vous parcourez la disposition 107, vous allez comprendre qu'on dit qu'aucun parlementaire ne peut, en cours des sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Ça veut dire quoi? Pour des raisons d'opinion et de vote, ça c'est interdit, c'est prohibé, on ne peut pas les poursuivre. Mais comme il y a d'autres infractions qui relèvent de notre ordre, on dit pendant la session, on ne peut pas l'arrêter sans qu'il y ait, donc sauf en cas de flagrant délit, sans qu'il y ait une autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Certains diront qu'il y a peut-être une flagrance. Non. Dans ce que je veux dire ici, oui. Danzen, qu'on ne s'embrouille pas. En ce qui concerne les délits, le délit communicationnel, ça veut dire leur opinion, soit par écrit, soit par l'expression verbale, soit par l'image. Parce que parfois, il y a des parlementaires qui entrent dans la plénière avec des affiches pour peut-être passer un message. Il y a peut-être une motion ou il y a peut-être une séance de travail et que le parlementaire apporte donc un imprimé pour donc passer un message en tant que parlementaire. Il peut le faire, même par voie médiatique. Parce que si je suis sur ce plateau et que moi je serai un député national, je ne vais pas laisser mon mandat de député national à la porte de votre plateau. Je suis reçu sur un plateau comme député national. Et les opinions que je vais émettre, les expressions que je vais tenir ici, qu'elles soient liées au fonctionnement du Parlement, ou soit de ma chambre, que je sois pas donc de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les critiques sévères ou les analyses défavorables à l'action de l'exécutif que je vais ici donc me permettre de faire ne peuvent pas être sujets des poursuites parce que en tant que pouvoir législatif investi d'un mandat parlementaire, je jouis donc de la non-possibilité de poursuites judiciaires, je suis de la prohibition des poursuites, de jugement ou d'être arrêté pour des raisons d'opinion. Cela n'empêche pas qu'un parlementaire qui a fait des détournements de fonds, on l'arrête. Là, c'est une autre infraction, c'est un délit de détournement de fonds. Un parlementaire qui a commis un assassinat, il sera poursuivi au pénal pour assassinat. Un parlementaire qui a participé à un coup d'État contre la République, oui. Mais tout ce qui est des délits verbaux, on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour ces raisons-là. Tout ce qui est lié au vote qu'il peut émettre pendant une plénière, à l'occasion d'une plénière, et qu'il faut voter, et qu'un parlementaire vote, il ne peut pas être poursuivi. C'est tout à fait clair. La caractéristique ici qui est négligée, au niveau de cette disposition, c'est... Mais quand on parle d'offense au chef de l'État... Mais écoutez, parce que le constitution est clair, il dit tout ce qui est
lié à l'expression, à l'opinion d'un parlementaire ne peut pas être sujet donc de poursuite. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas lieu d'interprétation. Nous sommes dans la matière du droit constitutionnel. Il n'y a pas d'interprétation possible. Il n'y a pas de nuance à apporter. Ça veut dire quoi? Je vous avais expliqué lors de notre dernier entretien, dans un état de droit, il y a ce que nous appelons la hiérarchie des normes. Cette hiérarchie des normes fonctionne sur base de la pyramide juridique. Et quelle est la pyramide juridique? C'est que la Constitution est la loi fondamentale. Et là, la supériorité sur toutes les autres dispositions, sur toutes les normes qui existent dans un état de droit. Ça veut dire que lorsqu'il y a une disposition constitutionnelle qui interdit déjà des poursuites, il ne peut pas exister une loi qui poursuit quelqu'un pour offense au chef de l'État, outrage, avant d'ailleurs qu'on y arrive. Parce que je vous dis, et je le reprends, lorsque déjà il y a la disposition censée de la Constitution qui prohibe le poursuite judiciaire à l'endroit des parlementaires pour des raisons d'opinion ou de vote, il ne peut pas, on ne peut pas faire valoir une autre disposition légale inférieure à la Constitution qui pourrait justifier une démarche, donc une procédure judiciaire à charge d'un parlementaire pour des raisons d'opinion ou de vote ou pour des raisons de critiques qu'il aurait apposées sur la gestion de la République. C'est une violation de la Constitution. C'est une violation de la Constitution. C'est une dissolution de la substance de l'état de droit elle-même, lui-même, parce que l'état de droit pose son jalon sur la Constitution. Mais lorsque vous êtes en train déjà de méconnaître une disposition aussi pertinente qui garantit le droit d'un parlementaire, qui protège un parlementaire de toute implication du pouvoir judiciaire sur sa démarche en tant que parlementaire, dans ses opinions, dans ses votes, dans ses analyses, là déjà on compromet l'état de droit, on compromet la démocratie. C'est que j'aimerais ici vous dire que... J'aimerais un peu insister sur ce niveau-là de flagrance. Quand est-ce qu'on parle de flagrance? Bon, à propos d'un député national. Oui, parce que écoutez, certains ont dit que Jean-Marc Kaboun était en flagrance. Non, mais écoutez, bon, cela, c'est ce qu'ils disent. Vous avez dit, ils disent. Même le procureur lui-même n'a pas évoqué un cas de flagrance. Donc déjà, c'est une erreur de ceux qui ont dit ça. Mais pour aider ceux qui nous suivent, le cas de flagrance veut dire l'infraction en pleine commission. Non, vous êtes en pleine commission de l'infraction, en pleine consommation de l'infraction. Ça veut dire, si Dan gifle quelqu'un, on l'arrête, c'est un cas de flagrance. Si vous venez d'escroquer une personne, on vous arrête à l'instant même où vous commettez l'infraction. L'instant là s'appelle le moment de flagrance. Vous comprenez? Là, c'est autre chose. Mais pour l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, le procureur n'a pas évoqué le cas de flagrance. Et je vous dis que déjà, il ne peut pas y avoir des poursuites judiciaires parce que la Constitution étant supérieure à toutes les normes juridiques dans un état de droit, on ne peut pas justifier les poursuites judiciaires à charge de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound pour des raisons d'opinion. Mais je voudrais ici qu'on puisse maintenant rentrer dans la matière. Vous lisez la citation à prévenu du procureur à l'endroit de Jean-Marc Kabound. Il évoque, il dit... Pour avoir, lors de sa conférence de presse, en date du 18 juillet 2022, à Kinshasa, tenu des propos tels, par exemple, pour des propos qu'on a tenus, l'honorable Jean-Marc Kaboun a critiqué le déroulement des élections au niveau de gouverneur de province. Il dit le processus de décentralisation est devenu une occasion où on met en avant le clientélisme politique. Vous comprenez? Ça veut dire que pour devenir gouverneur dans notre pays aujourd'hui, il faut que les candidats viennent à Kinshasa, il faut qu'il y ait des billets de banque qui circulent dans les salles de plénière, dans les assemblées provinciales. La plupart des députés provinciaux l'ont dénoncé. Vous avez entendu lors des résultats ou carrément lors des conflits, des contentieux, il y a la corruption. Ce n'est pas l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound qui invente ça. Il a recueilli en tant que parlementaire tout ce qui s'est passé comme réalité et il a posé des critiques. Et donc, pour dire une chose, lorsqu'on parle d'outrage, par exemple, on dit outrage parce que le procureur général poursuit l'honorable Kabound pour outrage contre le Parlement. Mais on se demande une chose. Qui peut? Parce que déjà, on doit se mettre d'accord qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour des raisons d'opinion. Ce qui s'est fait, ce sont des faits hors la loi. C'est une démarche extra-légale qui s'est fait, c'est un forcing, mais que nous allons suffisamment donc dénoncer et que nous allons démontrer lors d'un bon procès. Vous devez maintenant prouver en quoi il y a eu outrage. Mais écoutez, mais voilà, non, on ne peut pas parler d'outrage parce que c'est ce que je suis en train de dire. Qui peut outrager les parlements?
Parce que le Parlement, ou carrément l'Assemblée nationale, c'est un corps constitué. Il est constitué des différents élus nationaux qui constituent l'Assemblée nationale, différents élus sénateurs qui constituent le Sénat, et tous ensemble constituent le Parlement. Le Parlement. Et donc, est-ce qu'un membre du corps, les membres de ce corps-là, lui-même député national, peut outrager encore l'Assemblée nationale? Nous sommes dans une anomalie à la fois substantielle et normative. On se demande, est-ce que Jean-Marc Kaboundo, qui est député national, peut avoir outragé lui-même l'Assemblée nationale? Et comment il peut le faire? Parce que cela est faux. Dans l'interaction avec le bureau de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs, pour sa part, a profité des vacances parlementaires pour entamer de manière l'interaction ou la complicité avec le parquet pour poursuivre ou carrément livrer le député pendant les vacances parlementaires, l'honorable Kaboundo n'a fait que réagir par voie classique qui veut dire la voie des correspondances pour dire au bureau, bah, écoutez, par rapport au règlement intérieur, vous n'avez pas observé la disposition 101. Par rapport au règlement intérieur, vous n'avez pas respecté la disposition 102. Le refus de la convocation n'est pas un outrage. Un refus, le refus de l'invitation du bureau, ce n'est pas l'outrage au Parlement. Et l'honorable Kaboundo n'a pas refusé. Il a posé des préalables. Honorable président, vous m'invitez pour une confrontation afin de garantir le droit de la défense, qui est d'ailleurs consacré par la Constitution, organisé et garanti au terme de l'article 19. Je vous demande, je vous prie de me mettre en annexe de cette invitation. Le réquisitoire du procureur. Cela devrait permettre à l'honorable Kaboundo de prendre en compte les 12 préventions. Parce que c'est seulement lors de la citation à témoin, à prévenu plus tôt, que l'honorable Jamal Kaboundo découvre que je suis poursuivi pour 12 préventions. Et donc, l'honorable Mbosso allait inviter un député national sans lui garantir le droit de la défense, sans lui permettre de connaître le motif pour lequel il devrait se justifier. Dans la lettre, on lui avait bien mentionné que vous devez choisir les députés nationaux. Le fait de choisir ceux qui doivent vous assister, qu'ils soient votre conseil ou député national, ne donne pas la voix au bureau de vous refuser le droit de connaître les motifs afin que vous puissiez préparer votre défense. Parce que vous venez pour une confrontation. La logique veut que vous soyez informé des motifs. Et ensuite, parce que le bureau n'a pas invité les députés nationaux de manière spontanée. Le bureau a invité les députés parce qu'il y a un réquisitoire du parquet. Donc, il fallait juste annexer. La même procédure a été faite lors de l'autorisation de l'instruction. Le président Mbosso avait annexé le réquisitoire à cette lettre qui notifiait l'honorable Kaboundo de l'autorisation de l'instruction. C'était la même pratique que nous attendions lors de l'invitation pour la confrontation. Donc, cela a accusé clairement une complicité active, avec beaucoup de célérité, du bureau Mbosso, avec le procureur général, qui s'étaient tous convenus de traquer l'honorable Jean-Marc Kaboundo, de lui refuser ses droits en tant que pouvoir législatif, en tant que parlementaire, et de marcher dessus. Nous sommes aujourd'hui en phase d'une mise en danger de la démocratie. Nous sommes en phase de la négation totale de l'état des droits lui-même, parce qu'on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, le parquet puisse, en tant que pouvoir judiciaire, puisse aujourd'hui profiter d'ailleurs avec la complicité donc du bureau même de l'Assemblée nationale, puisse aujourd'hui marcher sur le droit du pouvoir législatif. Mais dans un état de droit, je voudrais dire ça, dans un état de droit, il y a premièrement ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif qui doit être, qui doit vivre ses prérogatives séparément du pouvoir législatif, et il y a le pouvoir législatif qui doit vivre aussi ses prérogatives. À ce niveau-là, où est la confusion dans cette affaire? La confusion se trouve aujourd'hui dans ce que nous appelons le déficit des spécialisations dans les chefs de nos magistrats. Permettez-moi de le dire, ce n'est même pas moi qui l'ai dit, parce que c'est ce que mentionne le professeur Luzolo Bambi Lessa dans son ouvrage « Manuel de procédure pénale ». Il évoque ce déficit-là. Il dit « Nous avons un problème permanent, celui du prolétariat, dans la consommation de notre constitution ». On n'arrive pas jusqu'à ce jour de
respecter les dispositions de notre constitution parce que nous avons des décisions rendues par les tribunaux et les cours précédemment qui aujourd'hui servent des jurisprudences, mais des jurisprudences dangereuses dans notre pays parce qu'il y a peut-être des fois où on a instrumentalisé la justice, il y a des fois où on a tenté de miser les opposants et qu'il y a eu des décisions rendues en violation de la constitution et que le juge jusqu'à ce jour ou carrément le magistrat continue à tenter de poser les actes dans le même sens. Est-ce que nous devons pérenniser les irrégularités ou est-ce que nous devons alors prendre une décision d'aller vers l'avant, donc de devenir réellement un état de droit? C'est là le rendez-vous que nous allons peut-être rater avec les régimes Tshisekedi. La question des immunités. La question des immunités parlementaires, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle pose problème. Je pourrais aussi vous dire que Cette confusion qui a eu le domicile, est-ce qu'il a vraiment été, les immunités ont-elles été levées ou bien Jean-Marc Kabound garde toujours ses immunités malgré qu'il est en détention? Ben écoutez, j'étais en train d'évoquer ici l'insécurité que nous avons avec notre appareil judiciaire, ce qu'on appelle par le professeur Luzolo Lobambi comme étant l'insécurité prétorienne. Mm-hmm. Cette insécurité prétorienne, comme je l'ai dit, naît de décisions rendues par les cours et tribunaux précédemment, encore bien récemment, qui ne sont pas vraiment des bonnes décisions, faute de spécialisation de nos magistrats dans le domaine de droit des institutions. Parce qu'aujourd'hui, les juges d'un parlementaire, c'est la Cour des cassations. Mais il faut que nos magistrats, le parquet pris la Cour des cassations, il faut que le juge à la Cour de cassation, puisse obtenir ou carrément puisse rechercher une spécialisation dans le domaine de droit des institutions. Lorsqu'un parlementaire est invité par le bureau pour une confrontation avec le parquet, et que cette confrontation n'a pas eu lieu, et que le bureau décide de manière unilatérale, dans la méconnaissance totale et intentionnelle des prérogatives reconnues à ce député, lui ôte ses immunités et vient les notifier devant le magistrat, en pleine audition. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans une procédure régulière ou irrégulière? Les magistrats devraient être les protecteurs de droits des autres. Le pouvoir judiciaire devrait garantir une certaine protection de droits des autres. C'était d'ailleurs aux magistrats de demander au bureau, mais écoutez, les justiciables voudraient bénéficier de la régularité de la procédure avant la levée de ses immunités, et après quoi nous allons poser les actes. L'honorable Jean-Marc Kabound était tout à fait disposé à aller en confrontation, mais dans le respect du droit de la défense qui était piétiné par le bureau Mbosso. Mais malheureusement, vous allez comprendre que le bureau Mbosso, tout comme le parquet général pour la Cour de cassation, se sont permis aujourd'hui de construire encore davantage une jurisprudence fâcheuse et défavorable à l'émergence d'un état de droit dans notre pays. Donc si je comprends bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en détention parce que la loi a été violée au niveau de... Juridiquement parlant, le bureau Mbosso a violé la Constitution, le bureau Mbosso a violé les textes réglementaires à l'Assemblée nationale, donc les règlements intérieurs, parce qu'ils n'ont pas observé la disposition 101, il y a 5, ils n'ont pas observé la disposition 102, et pire encore, c'est le pouvoir judiciaire qui a adoubé aussi cette violation parce que elle a pris en compte, le pouvoir judiciaire plutôt a pris en compte une levée des immunités irrégulière qui est venue devant lui, et c'est devant l'officier du ministère public que l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound avait refusé la Cour de cassation d'accuser réception de cette levée de ces immunités parlementaires qui étaient tout à fait irrégulières. La Cour de cassation n'a rien à voir, c'est un pouvoir parlementaire, il ne peut pas s'immiscer dans le pouvoir parlementaire. Nous sommes à la fois politiques, bien que j'évoque des notions purement juridiques, nous savons qu'il y a eu une complicité active et de manière expressive qui avait été constatée dans l'interaction entre le bureau de l'Assemblée nationale pendant les vacances parlementaires et le bureau du procureur général près la Cour de cassation. Quelle est la part de responsabilité de la Cour de cassation dans tout ça, chacun a eu sa part de responsabilité, mais chacun a joué sa partition dans ce que nous avons évoqué comme étant l'instrumentalisation du bureau de l'Assemblée nationale, l'instrumentalisation du parquet général près la Cour de cassation ou carrément l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Le pouvoir exécutif qui comporte donc le président de la République et le gouvernement sont aujourd'hui dans une certaine démarche qui accuse une sorte d'instrumentalisation, chose que nous avons dénoncée avec l'Alliance pour le changement, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, il y a une certaine célérité. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, près
près d'un mois déjà, il y a une lanterne inédite dans l'exécution de l'ordonnance rendue par la Cour de cassation pour assigner l'honorable Jama Kabunda Kabund à résidence surveillée. Parce que le parquet a oublié de se conformer au texte, tout comme le bureau Mbosso l'avait fait, et qu'ils ont levé de manière unilatérale et cavalière les immunités, mais le parquet s'est permis encore plus de marcher sur le droit d'un parlementaire qui ne peut pas faire objet d'un mandat d'arrêt provisoire au regard de la Constitution et au regard de la loi portant procédure, plutôt de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Cette loi, je l'avais évoquée. Il y aurait une milice chez Jean-Marc Cabot. On ne va pas patauger. Je ne veux pas qu'on aille donc en besogne. Je suis en train de vous dire que la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, donc, attend qu'au niveau de l'article 76, alinéa 2 et 3, un parlementaire soit assigné à résidence surveillée pendant la procédure judiciaire à sa charge, au lieu qu'on puisse les placer sous mandat d'arrêt provisoire à Makala. Jusqu'aujourd'hui, la Cour de cassation avait auguré un retour au bon droit en rendant l'arrêt le 12 août. Donc, du 12 août, aujourd'hui, nous allons vers le 12 septembre, l'arrêt, plutôt l'ordonnance de la Cour de cassation, souffre d'exécution. Et si vous avez suivi les procès ou carrément l'audience du 5 septembre dernier, lorsque notre conseil a soulevé cela devant la Cour de cassation, la Cour de cassation a demandé au ministère public et le ministère public nous évoque des moyens surérogatoires pour nous dire que, c'est ce que vous avez dit, le président Kabund serait responsable d'une milice qu'il entretient à Kingabwa, ce qui est faux et archi faux, parce qu'il n'y a jamais eu une enquête judiciaire ou policière qui atteste cela. Donc ce sont des raisons superflues. Et encore, il évoque, il dit qu'il aurait saisi le ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement, pour que ces derniers puissent disposer d'une résidence surveillée où on pouvait placer l'honorable Jama Kabunda Kabund, ce qui est encore plus surérogatoire. D'accord. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Le ministère de la Justice a tout un fonds qui permet les bons fonctionnements de la justice. Et ces fonds-là existent. Ce n'est pas au ministère de l'Intérieur aujourd'hui de se livrer à un certain parrainage d'une procédure judiciaire. Ce qui est faux. Alors, nous demandons aujourd'hui, lorsque nous vivons tout cela, est-ce que nous avons une justice qui fonctionne ou qui dysfonctionne ? Tout à fait évident qu'elle dysfonctionne parce que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent ne se conforme pas au texte. On ne sait pas quand est-ce que Jean-Marc Kabund pourra sortir de prison, on ne sait pas. Mais au regard des accusations qui lui sont faites, il a encore quelle peine? Écoutez, je vous ai dit d'abord, premièrement, c'est que vous devez savoir qu'il n'y a aucune poursuite judiciaire possible, légale, envisageable, à charge d'un parlementaire en raison de ses opinions. Vous n'entendrez nulle part dans le prévention retenu par le parquet général, quelque part où on dit qu'il y a détournement de fonds, tentative de coup d'État, où il y a assassinat. Il n'y a pas ce genre de charges, il n'y a pas ce genre de faits infractionnels. Tout ce qui cadre avec ces 12 préventions, ce sont donc le point de presse du 8 juillet et sa réaction sur la Radio France Internationale. Donc ce sont de faits liés à ses opinions qui ne peuvent pas engendrer des poursuites judiciaires et pour lesquelles le constituant a prohibé toute poursuite judiciaire. Donc, pour notre part, nous attendons, parce que c'était un appel patriotique qu'on avait lancé aux juges de la Cour de cassation, nous leur avons demandé de déclarer un non-lieu. Il n'y a pas lieu de faits infractionnels. Il n'y a pas lieu procès. On doit relaxer, relâcher, illico presto, et immédiatement. S'il faut sauver la démocratie en RDC, faut sauver l'état des droits, cher Dan, je vous dis qu'il faut qu'on puisse abandonner ces poursuites de la honte contre l'honorable Jama Kabunda Kabund. Quand il dit qu'il y a des jets privés qui remplis d'argent, qui quittent le pays pour l'étranger, c'est quand même pas une accusation facile, maître Justin Mangi. Ben écoutez, lorsque nous voyons dans ces pays, parce que les images sont là, et même si l'honorable Jama Kabunda Kabund n'a pas pris ces images, mais c'est dans vos téléphones, c'est dans vos portables. Il y a des dignitaires, ou il y a des proches des dignitaires dans ce pays qui font des navettes en jet privé. Ça, c'est vrai, c'est approuvé. Alors, l'honorable Jama Kabunda Kabund n'a pas dit des millions. Il a dit, écoutez, il a dit des espèces sonnantes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a juste un acharnement. Le fait qu'il puisse dire ça, il s'est exprimé, c'est son expression. Mais il n'a pas dit des millions. Il a dit
J'ai entendu même le secrétaire général de l'UDPS dire non, Jean-Marc Aboun a dit des millions. Mais ça, c'est lui qui l'a dit. Alors, donc, il y a des millions. Parce que l'honorable Jean-Marc Aboun a parlé des espèces sonnantes qui sortent par des diètes privées vers des paradis fiscaux. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des normes internationales en matière financière, en matière de monnaie. Parfois, donc on n'admet pas, ou carrément dans un état de droit comme le nôtre, on ne peut pas aussi soutenir le fait que des gens qui, sur qui l'endette privée, puissent peut-être emporter avec eux des espèces qui, aujourd'hui, apportent un déséquilibre au marché congolais. Je vous dis une chose. Vous allez comprendre que les gens travaillent. Par exemple, on prend de la présidence, au gouvernement, au parlement. Les gens travaillent, mais la plupart des gens qui travaillent là-bas, surtout nos compatriotes que nous aimons beaucoup, qui viennent de la diaspora, ont leur famille. En Europe, en Amérique ou dans d'autres pays, ils ont leur compte en banque là-bas. C'est là où ils scolarisent leurs enfants, c'est là où ils s'approvisionnent en termes de vivre pour leur famille. Quand on les paye, les espèces sortent du pays. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre une extraction de nos ressources financières. Ça, c'est tout à fait normal qu'un parlementaire puisse juger un danger pour un pays. Ça n'accuse pas forcément une dénonciation calomnieuse, mais ça traduit un esprit critique d'un parlementaire sur la transaction qu'il y a entre le Congo et l'extérieur. Une dernière question, est-ce que ça ne corrobore pas avec les propos de Fayoul où il parlait de paiements qui violeraient la loi budgétaire de la RDC, 21 000 dollars, Kaboun parlait de la jouissance, des jouisseurs. Est-ce que ce n'est pas dans le même ordre d'idée? Cher Dan, M. Fayoulou n'a rien dit. M. Fayoulou n'a fait que récupérer ce que nous avons dit. M. Fayoulou n'est pas aujourd'hui sujet à des poursuites judiciaires pour les opinions exprimées. C'est lui que l'on poursuit. C'est lui qui a ouvert la boîte au Pandore. C'est l'honorable Jean-Marc Kabound à Kaboun. Vous allez suivre que parmi les 12 préventions, il est aussi poursuivi pour avoir dénoncé les paiements aux noirs, aux invisibles, des animateurs des institutions. Parce que ces paiements-là n'existent pas que pour les parlementaires. Même les conseillers dans les grandes institutions de notre pays sont payés en dehors de leur salaire. Il y a aussi des invisibles. Le directeur des cabinets honoraires du chef de l'État, le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, il a dit, lors du procès 100 jours, nous avons les archives, il a dit, je suis arrivé au Parlement en tant que président de l'Assemblée nationale, nous avons créé une caisse qu'on appelle la caisse des invisibles pour que les parlementaires vivent aisément. Ça, c'est dit par M. Kamerhe, qui était à son temps président de l'Assemblée nationale. Il a ajouté que lorsqu'il est arrivé à la présidence de la République, il a triplé les salaires des conseillers du chef de l'État. Il dit parce que pour lui, il faudrait élever les niveaux de vie de ceux qui sont au sein des institutions. L'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun étant d'une idéologie politique sociale démocrate, il s'est insurgé contre cela et il dit non, écoutez, nous devons réduire les trains de vie des institutions, nous devons diviser par deux le revenu mensuel de tout un chacun pour que nous puissions nous permettre d'avancer avec des projets d'intérêt général. Aurons plus de temps d'évoquer cette matière qui est tellement abondante, pas simplement ici, mais peut-être dans une autre émission beaucoup plus spécialisée. Évidemment. Nous aurons le temps de vous recevoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro spécial. Nous espérons que vous avez été éclairés sur cette question que tout le monde se pose. Quelles sont les dispositions qui ont été violées? Vous avez suivi Maître Justin Mouangi, qui est aussi porte-parole d'Alliance pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Dan, merci pour nous rester. Merci aussi à vous. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, pourquoi pas avec Maître Justin Mouangi. Au revoir.